conversion d'un nombre hexadécimal en nombre binaire, en représentation binaire. Pour cela, on va s'intéresser dans le nombre hexadécimal à chacun des chiffres, en commençant par les poids faibles, donc en commençant par la droite, comme d'habitude. Ici, on s'intéresse au chiffre 5 en hexadécimal. Le chiffre 5 correspond à la configuration binaire 0, 1, 0, 1. Donc je vais recopier ici 0, 1, 0, 1, tout simplement. Le deuxième chiffre hexadécimal, c'est B. B correspond à la configuration 1, 0, 1, 1. Je recopie donc ici 1, 0, 1, 1. Le troisième chiffre, c'est le 6. Le 6 est ici. Il correspond à la configuration 0, 1, 1, 0. Donc je recopie ici 0, 1, 1, 0. Et le dernier, c'est le 3. Le 3 est là. Et donc il correspond à la configuration 0, 0, 1, 1. En conséquence, nous avons ici la traduction en binaire de ce nombre hexadécimal.